Salut à tous et à toutes, c'est Iron Man et aujourd'hui on se retrouve sur Lego Marvel. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus sur la démo, rappelez-vous-en. Mais cette fois c'est sur le jeu complet, il était en promo durant les soldes d'hiver. Enfin je crois que c'était ça, enfin ou les soldes de fin d'année, je sais plus vraiment, mais enfin bref. Sur le Xbox Live et bien entendu j'ai absolument craqué tout de suite pour l'acheter. Parce que les jeux Lego, j'adore ça, et Marvel, j'attendais de l'avoir, sauf que je le trouvais encore un peu trop cher, et là, j'ai foncé dessus quand j'ai vu que il était abordable pour mes moyens. Donc cette fois, on se retrouve bel et bien sur le jeu complet, je vais essayer de vous montrer quelques trucs sympatoches sur le jeu. Je pense pas qu'on va faire des missions, on va plutôt faire du mode libre, la carte est assez grande, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on va voir la carte d'ici, mais enfin bref, on voit un peu la ville en bas. On va y aller bien entendu après, là nous sommes sur l'héliporteur du SHIELD. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de l'héliporteur, puisque bon, bien entendu, il n'y a pas des choses anodines. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir d'être sur ce jeu, parce que franchement, j'ai adoré. Alors j'ai fini l'histoire. Bon, comme tous les jeux Lego, c'est assez court niveau solo. Voilà, on recommence niveau solo. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors cette fois, on est vraiment dans l'héliporteur, donc pour ceux qui ont vu le film, bah voilà, on se retrouve là où que les premiers Avengers se rejoignent. Bref, alors il y a le tableau de bord comment il s'appelle, Nick Fury, et là on peut bien entendu rejouer les missions. Donc vous avez vu que je suis en train de commencer à faire les modes libres, donc j'ai fait que les trois premières pour le moment, et la quatrième j'ai galéré pour trouver le dernier, donc je vais recommencer ça plus tard. Et voilà, après il y a plusieurs niveaux, donc je crois qu'il y a 15 niveaux en tout. Et ensuite il y a donc à partir de là des missions secondaires, on va t'en dire, où qu'il y a des personnages à récupérer, etc, etc, qu'on peut également faire en jeu libre, que j'ai commencé à trouver, mais il manque des briques d'or comme tous les jeux Marvel, hein, tous les jeux Lego pardon. Il y a les fameuses briques d'or, les fameuses briques rouges, les mini kits. Et là il y a Stan Lee. Alors je sais que c'est la mode est arrivée, on va dire, dans les jeux Lego depuis pas très longtemps, ou qu'il y a maintenant un personnage à sauver par à chaque niveau pardon. Et là en l'occurrence c'est Stan Lee qu'il faut récupérer, ça j'adore, parce que bon, c'est bien de l'avoir mis là, sachant qu'il apparaît dans chaque film Marvel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Stan Lee, je vous invite fortement à aller chercher sur Google, mais c'est le papa des comics pour moi en tout cas. C'est un grand papa qui a fêté il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est 92 ans, donc commence à avoir de la bouteille papa Stan Lee. Mais il tient toujours, il tient toujours. Donc là je sais même pas dit ce que c'était. Nous sommes, bon pour ceux qui auraient compris, dans la chambre de Deadpool, le mercenaire sans pitié, qui a le pouvoir du quatrième mur. Là il l'a un peu, on va t'en dire. Alors le pouvoir du quatrième mur, c'est qu'il sait en fait qu'il est un personnage de comics, qu'il est dans tel ou tel truc. Notamment les Suricates ont fait un sketch avec tous les super-héros qui s'appelle Super-Hero Hangover, je crois. Hangover, pardon. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Super-Hero Hangover. Vous cherchez ça sur YouTube et c'est pour moi l'une, si ce n'est la meilleure vidéo YouTube-esque. Parce que j'ai franchement adoré la mater, la remater. Il y a franchement plein de clins d'œil et tout. Et notamment François Descraques, qui est le créateur du Visiteur du Futur. Et notamment le frère de Raphaël Descraques, qui a créé le sketch. Joue Deadpool dans ce sketch. Et dit notamment qu'il est... bon, on ne dit pas qu'il est un personnage de comics, bien entendu. Mais il dit que c'est un sketch sur Kate et que voilà. Mais j'ai bien adoré ce clin d'œil là. Et là il y a un peu ça, parce que par exemple je n'ai pas débloqué Deadpool. Mais quand je débloque des personnages, Deadpool dit bah tu devrais plutôt me débloquer moi, parce que moi j'en veux la peine, etc. Mais bon, si tu veux on vise les 100% pour que tu y arrives. Enfin je trouve ça vraiment pas mal. Il y a plusieurs choses donc dans la chambre de Deadpool. Il y a ça. En fait c'est les mini kits qu'on débloque quand vous atteignez 10 mini kits. Généralement sur d'autres jeux c'était par exemple sur les premiers Batman c'était des créations de Batman, dans Lego Indiana Jones c'était des reliques d'Indiana Jones je crois. Enfin voilà, généralement c'est deux choses marquantes. Et là ça change, mais je trouve ça aussi bien. C'est en fait des pages de comics version Lego. Et j'aime bien, ça raconte en fait les niveaux que où vous avez débloqué les 10 mini kits pardon. Et je trouve ça assez sympa. Donc on peut zoomer bien entendu sur les pages de comics. Et notamment dans les jeux Marvel,
Il y a notamment aussi des jeux, des comics à récupérer. Enfin, en tout cas, pour Amazing Spider-Man, dans les derniers, ils ont fait ça. Et bon, je trouvais ça sympatoche d'avoir des comics. Ce qui aurait été vraiment, vraiment bien. Bah, après, j'exagère. Ça aurait été soit de faire un comics complet avec les 15 niveaux ou un truc comme ça, et ça aurait été sympa. Parce que là, c'est juste des images, on va dire, très vite, qui résument très vite le niveau. Donc bon, c'est sympatoche, mais j'aurais préféré un truc, une vraie petite histoire made in Lego et made in Marvel. Ça aurait été sympatoche. Ici, le télécran plat vous permet de voir les briques rouges. Fameuse brique rouge qui débloque des extras que je vais activer justement après. Donc j'ai déjà débloqué quelques-unes, 2, 4, 6, 8, 10. Les déguisements, détecteur de briques dorées, détecteur de mini-kit. Les mini-personnages, je ne les ai pas encore trouvés. Récolter les pièces fantômes, construction rapide, aimant à pièces. Détecteur de jetons, chapeau et cœur supplémentaire. Donc il m'en reste qu'un et je sais c'est lequel, c'est au Bifrost. Et il me faut 200 briques d'or et je suis actuellement à 202, et bah ça tombe bien, on pourra peut-être le faire, je sais pas, à la fin du niveau on verra. Et ici c'est pour activer les codes, donc c'est caca, il faut péter tout ça. Et après je vais pas vraiment vous montrer le reste de Lily Porter, puisque lui en face, des endroits pour créer des personnages, soit des personnages type Hulk, donc des personnages costauds quoi, soit des personnages normaux, enfin des humains quoi, on va tout dire, de taille humaine plutôt. Donc voilà, je vais pas vous montrer ça. Après, bon, il y a rien d'autre, je crois. À droite, ça mène nulle part. Enfin, ça mène à un endroit, mais pas vraiment intéressant. Il y a juste quelques quêtes secondaires, donc voilà. Et c'est la première fois qu'on verra Iron Man se balader dans les héliporteurs comme ça. Et je crois même qu'on peut se barrer là-haut. Ah, il veut plus. Je croyais qu'on pouvait... ouais, non, il veut plus. Ah ! Donc j'ai dû sûrement avoir un bug. Donc on va partir, on va aller là-haut. Il y a plusieurs personnages, bien entendu, de l'univers Marvel à débloquer et à jouer, bien entendu. Franchement, l'univers, j'ai vraiment... Enfin, l'histoire, j'ai vraiment bien adoré. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais bon, malheureusement, les jeux Lego, au niveau, on va dire, scénario, c'est vraiment bien. Mais malheureusement, c'est un peu court. Ce qui me plaît dans les jeux Lego, c'est surtout les choses secondaires. Vous rassurez-vous, c'est pas un bug, voilà. C'est les choses secondaires à faire, et ici, il y en a extrêmement plein. Alors bon, là comme vous pouvez voir, je suis en pause, je suis à 74%. Pour vous dire un peu le topo, quand j'ai fini l'histoire, vraiment juste l'histoire, hein, vraiment juste le scénario, j'étais à 20% je crois. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous pouvez voir en bas qu'il y a 62 sur 150 mini-kits que j'ai récupéré. Donc là je suis en train de les faire petit à petit. 250 briques dorées à récupérer, 26 je crois que c'est True Believers, qui est en fait la barre de jetons à remplir à chaque niveau. Donc bah c'est normal qu'il m'en manque deux, puisqu'il y en a un qui est grâce au Bifrost et l'autre qui est grâce au dernier niveau bonus du jeu, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Et une brique rouge et encore 24 Stanley à récupérer. Donc ça, il y en a un à chaque niveau, donc c'est normal que je ne les ai pas tous récupérés. Et il y en a un peu partout sur la map. Je crois qu'il y en a un que je devais récupérer il y a pas longtemps, qui était, je sais pas si j'ai réussi à trouver, enfin bref, je le trouverai peut-être une autre fois. Mais il y a pas mal de choses à faire comme vous pouvez le voir. Ceci est toute la carte, donc là il y a le manoir des X-Men, enfin tous les lieux cultes à Marvel, ou du moins une très grande partie. Et je regarde si je vois un Stanley à récupérer, mais voilà, là il y en a un. Bon, on va y aller. Vous pouvez vous téléporter sur la map parce qu'elle est assez grande quand même. Après vous pouvez y aller en volant, etc, ça je vous montrerai ça. Il y a notamment aussi plusieurs véhicules terrestres et aériens. Ici je crois que ça doit être des véhicules terrestres. On va regarder ça tout de suite au pire des cas. Alors il y en a plusieurs dans la ville. Vous pouvez directement vous téléporter dessus ou utiliser les véhicules. Perso j'ai jamais utilisé de véhicule. Enfin quand je dis jamais utilisé de véhicule, pour me déplacer du moins. Parce qu'il y a des courses à faire parmi les choses secondaires. Et là par contre je les utilise. Alors je vais montrer un truc que j'ai adoré faire dès le début du jeu, puisque c'est vraiment dans les tout débuts du jeu qu'on peut le faire. Et j'ai vraiment adoré le faire. Donc je vais vous montrer ça. Bon, après on peut sauter notamment simplement sur... Enfin voilà, en sautant comme ça avec Iron Man ou n'importe quel personnage qui peut voler. Mais moi j'aime bien c'est faire ça. En fait on saute à l'arrache comme ça en descendant et je trouve ça hyper kiffant. Enfin, franchement moi j'adore. Après c'est un petit truc, c'est vraiment basique quoi. J'ai vraiment adoré. Et voilà, bon tout simplement c'était un truc que je voulais vous montrer. Et vous voyez que la map est assez grande.
Alors bien entendu, toute la ville n'a pas été reconstruite en Lego, hein. Vous doutez bien que ça serait hyper chaud à faire, mais je trouve ça vraiment sympa. Alors j'ai mis War Machine comme personnage secondaire à côté, juste pour le fun, mais je pense qu'on va changer de personnage après, histoire de vous montrer plusieurs persos. Donc l'avantage aussi quand on vole, parce que moi je disais, mais en fait on avance pas vite, vous pouvez faire un double A, et là vous allez avoir des boosts avec n'importe quel personnage qui peut voler, et ça c'est vraiment pas mal. Et quand on pense que voilà, par exemple un jeu Iron Man, il y en a eu, je crois qu'il y en a eu un ou deux, il y en a eu un c'est sûr, mais je crois qu'il y en a eu un deuxième, et j'aimerais bien qu'il fasse un jeu Iron Man, mais vraiment vraiment bien, comme les premiers jeux Spider-Man qu'on avait, et voilà, là au moins on peut contrôler notre petit Iron Man. Donc vous voyez que notre ami Stan Lee est bloqué là-dedans, bon c'est tout simple, généralement il est dans les trucs tout simples à débloquer. Mais c'est toujours sympa à faire, et puis avec son fameux Excelsior qui nous dit à chaque fois qu'on le libère. Donc il y a plusieurs choses à faire, je vais vous en montrer quelques-unes. C'est quoi donc ça? Ah d'accord, c'est une mission. Oula. D'accord, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a quitté le menu. On va aller faire une course, histoire que vous voyez plusieurs choses. Merde, j'ai voyagé vers la zone, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais enfin bref, ça nous rapproche de la course. Par contre, bah vous savez quoi, on va voler une voiture. Parce que ouais, on est des super-héros, mais on arrive quand même à voler des véhicules. C'est ça qui est bon. Par contre, si ça veut pas se lancer. Alors par contre, je vais activer les extras. Alors pour rappeler, les extras ne vous bloquent pas les succès, ce sont des aides. Notamment, vous pouvez voir que j'ai 1 milliard de pièces. Et c'est pas possible d'avoir 1 milliard de pièces sans faire le x2, x4, x8, x10. C'est peut-être possible. Mais vraiment très 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 long. Donc moi je les réactive pas. Ah cool, GPVR qui bug. Ça m'avait pas manqué du tout. Moi je les active pas parce que bon, j'ai atteint mon objectif d'1 milliard qui était pour débloquer un succès ou un trophée pour les joueurs play. Donc moi je l'active plus. Par contre je mets le détecteur de briques dorées. Excusez-moi. Même ça sert un peu à rien puisque bah ils sont affichés sur la carte, mais bon je l'active quand même. Les détecteurs de mini-kits je l'active au cas où qu'on fasse une mission. Et récolter les pièces fantômes, bon je le fais pas vraiment. Construction rapide, oui. Et aimant à pièces, oui. Quoique non, parce que il y a une mission par exemple, ça je le dis, une petite astuce comme ça. Mais enfin bref, je pense que la plupart attendez là j'ai un bug. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, détecteur de gestion de personnage, oui. Après chapeau de fête et cœur, bon bof, on s'en fiche. On va commencer la course et je vais vous raconter ce que je voulais vous dire. Il y a une mission notamment où qu'un agent du Shield, je crois, nous dit qu'il a trouvé une invention qui sert à détecter les trésors grâce aux pièces. Et malheureusement, moi j'avais activé mon aimant à pièces pendant ce truc-là. Ce que je faisais, bah en même temps, je récoltais des pièces pour le succès, quoi. Et malheureusement, bah les pièces s'en allaient en même temps et donc j'ai pas pu réussir tout de suite la mission puisque bah j'avais tout simplement pas de chemin vu que les pièces étaient, on va dire, aspirées aussitôt qu'elles apparaissaient. Donc c'était pas évident, donc après quand j'avais compris ça sur le coup je me suis dit bon il y a peut-être eu un bug de la mission. Puis je l'ai refait il y a pas longtemps vu que maintenant j'ai plus besoin de l'aimant à pièces. Et j'ai compris où était mon erreur tout simplement. C'est une mission en plus très simple et j'ai raté. Oh bordel, je vais pas rater la course quand même. Et bah si, moi je vous dis je vais rater. Ah bordel. Bah vous savez quoi, il y a un autre Stanley, on va aller le voir et on va changer un peu de personnage. Alors vous pouvez voir notamment qu'il y a une sacrée panoplie de persos. Alors les méchants, alors pour juste aussi pour vous dire, les deux dernières lignes, donc à partir du sorcier, donc toute cette ligne là jusqu'à là, tous les personnages noirs en bas sont en fait des personnages que vous pouvez créer, donc vous pouvez créer quand même pas mal de personnages. Je crois qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet à peu près. Ouais, il y a jusqu'à Z, donc ça va de A à Z. Moi j'ai appelé Trevor tout simplement parce qu'en fait il y a un succès où qu'il faut créer un personnage et l'appeler Trevor, voilà, tout simplement. Sinon il n'y a pas d'autre kiff derrière ça. Et voilà. Et donc nous avons une sacrée panoplie made in Marvel de méchants et de héros. Il y en a pas tous, mais ils y sont pas tous, mais il y en a une sacrée panoplie. Et c'est vraiment kiffant de voir ça. Et aussi par rapport à certains personnages, par exemple si on va prendre Venom, que je le retrouve, le petit Venom, voilà, quand il va spawn, voilà, par exemple Venom peut également, chacun ont leur pouvoir hein, bien entendu, mais il peut également se transformer, enfin voilà, ils ont respecté les critères de chaque personnage Marvel à peu près, notamment par exemple Jean Grey, que je retrouve, qui est là, qui peut également être
enfin qui est, oui, qui a également son deuxième personnage qui est le phénix. C'est pas vraiment la même personne, mais un peu quand même, elle partage le même corps du moins. Donc voilà, on peut avoir également le phénix avec les pouvoirs de Jean Grey, ce que j'avais peur, mais qui est largement faisable. Qu'est-ce qui lui est arrivé, notre pauvre ami Stan Lee? Eh ben, on a besoin d'un homme costaud. Eh ben, vous savez quoi, je vais prendre un truc que j'ai adoré voir dans ce jeu, le Hulkbuster. Armure d'Iron Man qu'on verra notamment dans le prochain film Marvel, je crois, qui sera dans Avengers. Non, enfin pas le prochain film Marvel, pardon, mais le prochain Avengers qui sera Age of Ultron. Je suis désolé, je perds ma voix, je suis vraiment enrhumé. Je m'excuse, mais bon voilà, je fais quand même la vidéo, ça m'empêche pas de faire la vidéo. Et j'ai vraiment adoré la voir, et c'est vraiment plaisant d'avoir cette armure. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, faut que je la débloque. Je sais plus comment j'ai vu ça, mais j'ai reconnu le logo, je crois que c'est la carte, et je me suis dit, il faut que je le débloque. Et on se bat notamment avec lui contre une mission, enfin, contre lui pendant une mission. Et voilà, quand j'ai vu ça, c'était obligé, obligé, obligé. Il y a des personnages, notamment comme Galactus, qui est normalement gigantesque, voire impossible en taille. Et là, on l'a en miniature, donc voilà, bon. Au début, je me suis dit peut-être qu'on va l'avoir en taille énorme, mais non. Et pourtant, je crois que j'ai vu une vidéo sur internet où le gars l'avait en énorme. Après, il a peut-être triché ou je sais pas, mais enfin bref, quand même pas mal de choses. On passe à côté du... Ah, le Baxter Building, ouais, j'allais dire une connerie, mais non, c'est le Baxter Building. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais moi, ce que je vais faire, c'est peut-être une mission secondaire, aider des pauvres citoyens dans leur malheur. On va voir ça. Par contre, pourquoi il y a un... Pourquoi il y a un truc des 4 fantastiques ici? Enfin, un truc de mystère fantastique. Je sais pas. Peut-être pendant une mission, je sais pas ce qui servait. Mais enfin bref. On va descendre là et on va aller voir ce dont la personne a besoin, qui est notamment le surfeur d'argent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Nourrir Galactus m'a ouvert les yeux sur l'importance de la nourriture. Alors, j'aimerais goûter des plats italiens. Si tu connais une bonne adresse. Alors des fois je comprends rien aux quêtes, il y a pas mal de quêtes que j'ai laissées en suspens. Par exemple une dame, excusez-moi, par exemple une dame qui demandait un taxi et j'en ai porté un et ça a rien fait d'autre. Donc j'ai pas compris. Là, notamment j'ai pas compris, et peut-être qu'il faut qu'il me suive, c'est ça? Eh mec, t'appelles ta planche et c'est bon quoi. Non, tu veux pas? Oh. Ah non d'accord, fallait combattre, ok, j'ai rien compris. J'avais rien compris. Alors par contre, on va utiliser un autre personnage. Un personnage, on va éviter les personnages trop connus. Oh, peut-être pas. Attendez, on va voir ça. Et ben, on va faire un clin d'œil, aux Gardiens de la Galaxie qui sont également présents. Et je suspecte peut-être un film Gardiens de la Galaxie. Je vais pas spoiler la fin de Marvel, de ce jeu, mais il se passe quand même un truc assez chaud. Ou que les gardiens de la galaxie sont présents, mais ne sont pas utiles. Donc peut-être un futur jeu gardien de la galaxie, ce qui serait pas mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord, j'avais pas compris. Boum, je suis Groot. Bande de crottes. On va changer un peu de perso, histoire de varier. Docteur Octopus, pourquoi pas. Allez hop, je l'ai jamais joué. Ça peut être sympa. Ouh. On va peut-être prendre War Machine aussi. Ah non, ça c'est un taxi, c'est pas War Machine. C'est parce que... Non, c'est un taxi. Bon bah, va te faire. Il veut pas. Ce qui est dommage, Octopus, je peux pas mettre... je voudrais bien mettre assez bas, mais il veut pas. Donc c'est un peu dommage. Voilà, il est obligé de directement se remettre sur ses grandes patouilles. Et c'est dommage, je voudrais bien juste être par terre, juste marcher avec les... Bon, avec les quatre... Ah, je trouve plus son nom. Mais ça aurait été aussi sympa. Ah, il y avait des ennemis qui ont spawn ou... J'aimerais bien t'utiliser War Machine. Voilà. Non, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il n'y a pas d'autre truc à faire, c'est... Il n'y a même pas le logo sur le bas de la map, c'est ça que je comprends pas. D'habitude, il y a Deadpool qui nous montre le chemin, mais là... Je le vois pas du tout. Peut-être qu'il y a des ennemis qui ont spawn et j'ai pas vu. Ouais, bah je crois que... Bon bah je laisse tomber. Ou alors j'ai pas du tout compris ce qu'il fallait faire, mais bon. Peut-être retourner voir le surfeur d'argent, mais sinon on va laisser tomber. Il y a des trucs que je comprends pas trop, qui sont pas hyper bien indiqués, ou que je suis un peu trop teubé pour ça. Ouais bah j'ai pas compris.
Et vous allez dire peut-être qu'il faut lui reparler, mais non, parce que quand on lui reparle, bah, il va juste nous dire qu'il y a quelque chose à... Enfin, il va nous relancer la mission, quoi, si vous voulez. Non, je pense qu'il y a des ennemis qui ont spawn et que, bah, je les ai pas vus. Je sais pas où ils sont. Ouais, pourtant il y a des gens qui courent, donc soit qu'ils ont peur de Docteur Octopus, soit qu'ils ont peur des monstres qui ont spawn, mais là, ça me paraît vraiment bizarre. Puis ça se verrait quand même, les ennemis, enfin, je sais pas, mais... Le réflexe, c'est qu'ils vont m'attaquer. Bon bah tant pis, hein, vous savez quoi, on va aller chercher un véhicule ou un personnage à débloquer. Mais que je suis pas bloqué dessus parce que, bah notamment là il y a un véhicule mais quand je l'ai fait, ça voulait pas le débloquer. Au pire je vais vous montrer si c'est bien celui-là, mais normalement ça devrait être celui-là. La GPVR qui bug, c'est pas obligatoire, merci. On va aller voir là-haut vite fait, mais normalement ça a bugué et pourtant j'avais tout fait. Alors, il est où? Il est là. On va descendre en rappel. C'est pas du tout en rappel, mais j'avais envie de dire ça. Hop! A gelé sur place tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin en ville. Suis cette piste d'innocents congelés et libère-les de cette emprise. Ah! Donc voilà. Alors, il y a plusieurs personnages à décongeler. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais... C'est le cas. Donc je vais prendre, on va changer un peu de personnage. Et on va prendre la torche. Que je kiffe aussi utiliser, qui peut directement s'enflammer. Merde, je vais pas faire ça comme ça, je vais vous montrer. Voilà, bon, on va recommencer. Qui peut directement s'enflammer. Voilà. Alors, il est où? Donc bon, là c'est un peu de la triche parce que je sais déjà où ils sont vu que je l'ai déjà fait. Mais au moins c'est pour vous montrer que bah là c'est pas moi qui déconne. Donc peut-être que la dernière fois ça déconnait juste et là ça va marcher. Donc de 1. Le deuxième, il est là-bas. Petit coquin. Et hop, là. Allez, voilà. Donc ça fait 2. On va suivre les personnes congelées. Ah, et il y en a une troisième. Voilà. Et la quatrième qui est. Je crois qu'elle est en hauteur. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois. Là-bas. Normalement, hop. Bien. Il semble que tu les aies tous libérés. Voilà. Comme ça, Loki a... Ah bah, impeccable. J'avais bugué la dernière fois, je sais pas pourquoi, mais... J'avais décongelé les 4 et... Voilà, peut-être parce que c'est à cause de Iceberg. J'avais recongelé les trucs. J'avais recongelé les flaques d'eau et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pas compris. Ils se sont dit, bah attends, il l'a décongelé, mais il l'a recongelé. Donc c'est peut-être pour ça. Et donc j'ai débloqué un véhicule. Alors c'était pas un personnage, mais c'était un véhicule que je débloquerai via un truc pour faire spawn les véhicules tout simplement. J'ai envie de regarder s'il n'y a pas une petite un petit jeton personnage à débloquer facile. Alors je sais là il y en a, mais le problème c'est que ça bug aussi. Donc j'ai pas envie que ça bug en pleine vidéo et de recommencer, ça va être chiant. Et je pense qu'on va aller... Ah bah attendez. Voilà, on va aller le choper. Impeccable. Quand vous faites plusieurs missions avec un personnage, avec un seul personnage, généralement au bout d'un certain moment, ce personnage va être débloquable lors de sa dernière mission. Donc là, c'est la dernière mission que je vais faire avec lui. Et il me débloquera son personnage qu'il faut bien entendu acheter. Oh, les prix restent raisonnables selon les personnages, va-t-on dire. Mais ça reste raisonnable. Je suis venu d'Asgard pour... Salut mon ami. Un ami. Je suis sûr qu'il m'a donné rendez-vous chez ce tailleur-ci. Mais peut-être m'attend-il dans un endroit similaire. Pourrais-tu le trouver et l'escorter jusqu'ici? J'espère que nous ne serons pas frappés par une terrible menace. Ok, ça va être pas trop compliqué pour moi. Alors on attend, voilà. Donc vous voyez là, en fait, ce que disait tout à l'heure, les récolter les pièces fantômes, c'est tout simplement les pièces que laisse Deadpool. Enfin, le fantôme de Deadpool, du moins. Ça nous permet de savoir où on va. Mais il y a notamment aussi le gros truc rouge que vous voyez sur la carte qui clignote. Il y a juste à aller là-bas ou même la flèche bleue tout simplement. Moi je regarde le cercle rouge à chaque fois mais je sais pas pourquoi alors que la flèche bleue suffit amplement. Alors, va-t-on le trouver? Le labo de l'homme fourmi aussi qu'on peut pas aller, dommage. Peut-être une prochaine, un prochain jeu Marvel, possible. Alors, trouvons-le maintenant. Oh la vache. Ça des fois c'est pas vraiment évident. Il a dit dans un lieu similaire, donc il doit être à côté d'un truc de pizzeria à moitié, non? Je pense. On va bien voir, on va retourner par là-bas.
Me dis pas qu'il est là-dedans quand même. On va ouvrir, hein, mais. Non, c'est bon. C'était une brique rouge à débloquer, je crois. Il est pas là. Ah, c'est peut-être lui. Oui, c'est lui. Il fait coucou à qui? Tu fais coucou à qui, bon monsieur? On dit bien? Ah, lui, c'est une personne qui vient aussi également d'Asgard. Donc, le monde de. Enfin, plutôt le pays de. Comment dire? De Thor. Et de Loki, etc. Et il est passé aussi par le Bifrost. Il m'avait demandé. En fait, le chapeau, je sais pas s'il va revenir. Il est où? C'est pas paumé ce con. Ah, il est là. Le chapeau qu'il a, c'est moi qui lui ai donné. Au bout d'un moment, une mission, il voulait un chapeau. Bon. Chacun ses kiffs, hein, on juge pas. Par contre, le seul truc frustrant, c'est que vous allez dire pourquoi tu prends pas un véhicule, etc. Et il monte avec toi. Et ben non, malheureusement, il monte pas. Donc on est obligé d'aller à pied et c'est un peu dommage quand il y a assez long à faire. Mais bon, du moment qu'il suit, des fois il peut arrêter de suivre. Donc faut retourner le chercher et recommencer. Pour l'instant, ça va. Parce que vous voyez sur la minimap en bas à gauche, il y a la flèche jaune. Quand il devient un peu plus lent, vous allez voir, la flèche est juste derrière moi. Elle est blanche ou jaune, je sais pas vraiment. Je suis un peu bigleux sur les bords, c'est vrai. Moi, je dirais qu'elle est jaune, mais enfin bref. Allez! Ah! Je prends les trucs dans la tronche. C'est bon, tu viens avec moi? Donc, franchement, j'ai trouvé le mode livre excellent. On m'avait dit qu'il était excellent, notamment Gérald qui m'avait dit ça. Il a dit, tu verras, le mode libre, il est hyper, hyper grand, etc. Parce que moi, c'est vrai que la démo m'avait plu, mais voilà, c'est juste une mission. On peut pas vraiment avoir accès au mode libre, etc. Et c'est vrai que le mode libre, enfin du moins voilà, l'exploration est vraiment excellente. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est sympa à faire. Merde, j'ai relancé la mission. Asseyons-nous et prenons un café. Tout le monde parle de cette boisson ici. Ah ouf. Donc cette fois on a Heimdall que je vais débloquer tout de suite notamment. Il est où? Il est là. Donc vous voyez là, il coûte 150 000. C'est généralement un peu plus le prix que les personnages coûtent. Et je vais débloquer. Je vais défoncer. Voilà. Le vrai Heimdall. Va te faire Heimdall. On va prendre un autre personnage. Bah tiens, vu qu'on est avec les Asgardiens, va-t-on dire. On va trouver notre ami Thor. Voilà. Notre ami Thor. On est parti. Moi j'aime bien comment il vole comme ça. Alors je sais que c'est comme ça qu'il fait, mais je trouve ça kiffant. Et pourtant, Thor. C'est vraiment pas mon personnage de comics préféré. En film, voilà. Ah, le seul défaut par contre que je peux trouver à ce jeu, c'est la VF. La version française, j'ai vraiment pas trop accroché à tous les personnages. Thor, il a la voix de, je sais pas, de Dwayne Johnson. Enfin, la version française de Dwayne Johnson. J'ai vraiment pas kiffé à fond. Par contre, pourquoi là on est passé en mode nuit, j'ai pas compris. Alors c'est pas moi, je crois pas, c'est pas un bug de PVR. Mais par contre faut juste que je m'amène le cul. Magneto, t'es où? Problème c'est qu'il y a trop de personnages donc. Merci les gars. Allez. Comment les super vilains. Hop, voilà. Bon, je pense que c'était un clin d'œil à un vieux film, je pense, un truc comme ça. Ah mon petit Stanley, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. On va prendre le bouffon vert, tiens, on va varier. Hop là. Mon petit bouffon vert, qui est notamment très bien joué dans le dernier film The Amazing Spider-Man 2, j'ai adoré. C'est honteux, mais je sais plus son nom. Il a un nom compliqué, je crois. Je sais qu'il a fait Chronicles. Enfin, qu'il a joué dans Chronicles. Et maintenant, il joue le fils du bouffon vert. Et j'ai totalement adoré Harry Osborn, comment il est joué. Je voulais aller au Bifrost, qui est là. Et notamment, la mission devrait se débloquer. Parce que je crois que c'était 200 trucs. Ouais. Donc, vous voyez, en fait, quand vous atteignez un certain nombre de pièces d'or, vous pouvez débloquer des passages vers d'autres niveaux bonus. Et là, j'ai débloqué notamment les passages vers... Enfin, je pense que c'est le Bifrost, normalement. Et l'avantage, c'est que je pourrais faire ça dans une mission secondaire. Mais on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et je pense que ça fait une vidéo déjà bien assez longue pour une vidéo découverte. Donc, mon avis, moi, pour le jeu Lego Marvel... personnellement, je suis un grand fan des jeux Lego, j'adore. Toujours, bon, moi, mon seul truc, c'est que je trouve que ça vaut pas 70€, dans le sens où que... Comment dire, enfin, c'est pas que ça vaut pas 70€. Enfin, chacun son avis. Moi, je préfère mettre un petit prix parce que au moins j'adore. C'est pas des jeux que, comment dire, je me prends la tête, etc. Et c'est pour ça que voilà, j'adore. La map est extrêmement grande, il y a énormément de choses secondaires à faire, et ça, j'adore.
Après voilà, c'est vraiment un point positif pour ce jeu et j'espère qu'ils en referont un deuxième. Je pense que c'est même sûr qu'ils en referont un deuxième, vu que comme on voit la licence Lego Batman, qui est déjà son troisième opus je crois, donc j'en suis sûr et certain qu'il y en aura un deuxième tout aussi bon, j'espère. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo sur Lego Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos, notamment l'avancée du walkthrough d'Assassin's Creed Free, qui est la tyrannie du roi Washington, où je vais attaquer le deuxième épisode mercredi prochain, qui est, je sais plus, je crois que c'est trahison, enfin bref, j'attaque le deuxième épisode mercredi prochain. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime. Sur ce les amis, moi je vous dis, geekez bien, c'était Shadow Nightmare, et à une prochaine vidéo. Moi je quitte le planeur, non il veut même pas quitter le planeur, il veut pas, si il veut. Peace tout le monde.